Vous faire réagir à ce qu'a dit Bernard Cazeneuve ce matin même. Il estime que la France s'affaisse parce que, dit-il, cet ancien Premier ministre, il y a eu le discours ambigu d'un certain nombre de groupes gauchistes, parmi lesquels les députés insoumis. Je parle bien entendu d'un certain nombre de députés insoumis qui ne se comportent pas de façon républicaine, qui sont grandement responsables de ce qui existe dans ce pays. C'est ce qu'a dit donc l'ancien Premier ministre. Il faut en parler de Bernard Cazeneuve, en effet, qui a été ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui avocat d'affaires, et parmi ses clients, il a Nike, ArcelorMittal, ça, c'est pas Microsoft. Non, mais c'est intéressant interdit. De savoir ce qu'il fait aujourd'hui après avoir été ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Mais je rappelle juste une chose, c'est que le journal Libération, en 2016, après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 86 personnes, mettait en cause Bernard Cazeneuve et l'État pour un manque de sécurisation à Nice. Donc si on veut poser et parler sérieusement, arrêter de polémiquer. Et parlons-en sérieusement des responsabilités des politiques, donc de ceux qui gouvernent depuis 15 ans et qui ont les moyens d'agir. Et Bernard Cazeneuve en a fait partie de ces gens-là. Donc plutôt que de venir aujourd'hui, alors qu'il est avocat d'affaires, venir polémiquer, jeter des accusations infamantes sur des gens qui sont des insoumis, comme moi par exemple, qui suis une insoumise, qui suis engagée dans le combat contre le terrorisme, l'islamisme, pour la laïcité depuis que je suis entrée en politique, plutôt de nous insulter comme ça, il ferait mieux de s'interroger. Mais est-ce que certains groupes ont créé les conditions d'une tension? Mais ce n'est pas le seul. Pareil pour Manuel Valls, qui sa laïcité à géométrie variable à Manuel Valls, qui est par exemple pour les statistiques ethniques, qui avait traité Benoît Hamon en 2017 de proche de l'islamisme radical. Bon, ces gens-là sont et des lui-même opportunistes traité de nazi, je crois, et ne respectent Mélenchon. Même pas les familles endeuillées aujourd'hui. Donc évitons en effet de polémiquer avec ces gens-là. Alors, en ce qui concerne les ambiguïtés dont je parlais, il y a deux types d'ambiguïtés à gauche. Et je répète, il y a la surenchère à droite et de la lenteur au centre. Mais en ce qui concerne la gauche... C'est pire à droite, monsieur Duhamel. Vous êtes très indulgent avec la droite, je trouve. Ah bon? Oui. Ah bon? Quand Valérie Pécresse et Mélanie s'affichent avec des islamistes dans la manifestation contre le mariage pour tous, ça ne choque personne. Est-ce que vous voyez bien que votre position à vous n'est pas la position de tout le monde? Largement majoritaire, elle est la position du mouvement. Laissez-moi continuer. Mais c'est faux ce que vous dites, je ne peux pas l'accepter. C'est pas faux, je ne l'ai pas dit. Mais vous commencez à dire que ce n'est pas la position du mouvement, si. Il y a eu une ambiguïté autour de, au nom du combat pour l'islamophobie, certains ont laissé passer quelque chose qui ressemblait à de la tolérance pour du communautarisme. Par exemple. Bon, mais citez-moi un exemple. Non, mais attendez. Vous repreniez des accusations qui circulent comme ça, qui sont lancées sans preuve par l'extrême droite au démarrage. Non, il faut quand même rappeler les faits à ces gens-là. Pas du tout, puisqu'il y a eu des débats. Il n'y a pas eu de débat. Bien sûr qu'il y a eu des discussions, Écoutez, très clairement, il y avait tous des gens qui lancent ces accusations-là. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les accusations infamantes lancées contre Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis et Benoît Hamon, parce qu'il a subi les mêmes, et Yannick Jadot parce qu'il a subi les mêmes accusations d'islamo-gauchisme, ce sont des accusations qui visent à cacher les turpitudes de ceux qui, en réalité, on peut présenter des faits les concernant. L'extrême droite, par exemple, c'est un militant d'extrême droite qui fournit les armes aux frères Kouachi, qui tue des journalistes à Charlie Hebdo. C'est un militant d'extrême droite qui attaque une mosquée et vise des citoyens musulmans. C'est le Front National qui se fait financer par les Émirats Arabes Unis, une banque émiratie à hauteur de 8 millions d'euros, alors que c'est un pays qui est placé sous surveillance internationale pour financement du terrorisme. Je termine. La Farge, par exemple, c'est une société qui a financé Daesh, qui va passer en procès pour cela. Son chef de la sécurité est un militant du Front National, du Rassemblement National, candidat au municipal. Donc, vous le savez, là, on s'éloigne aussi. Non, on s'éloigne pas. Non, mais de ce que Bernard Cazeneuve a dit ce matin, il dit simplement que voilà, la France insoumise, par certaines de ses représentations, de ses mots, de ses discours, a contribué à une tension de climat. C'est tout ce que l'ancien Premier ministre dit. En tant que ministre de l'Intérieur, il a beaucoup à s'interroger sur ses responsabilités. Je pense. Il commence par se regarder lui. Je pense.